Messieurs, bonjour en direct, en public, ici même à l'occasion de la deuxième journée du 19e, la 19e édition du Salon Industria. Eh bien, on va parler d'un parcours d'innovation, d'industrie, d'acteurs qui réinventent le futur. Comment s'appelle le dispositif ? Alors, le dispositif s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0. Il a démarré il y a quasiment 2 ans, ici même. Donc, c'est pour ça que nous sommes particulièrement ravis d'être là aujourd'hui parce que nous sommes en train de, voilà, d'entamer la dernière phase de ce dispositif. Et donc on est aujourd'hui ici présents, les principaux acteurs, enfin parmi les principaux acteurs du dispositif. Et je vais vous passer la micro. Pour en gros 4 secondes, pour vous souhaiter une bonne conférence en direct, en public, 3 temps forts, 4 experts à la tribune, bonne conférence. Merci beaucoup, merci. Donc, ce dispositif, voilà, pour rappel, alors il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui le connaissent déjà, mais aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, il est toujours actif et il est, on pense, vraiment une étape qui peut être très, très intéressante et importante pour l'accélération des entreprises vers l'industrie du futur. Donc, je fais partie de l'agence de développement économique de la région qui s'appelle Rising Sud. Et donc, nous gérons ce dispositif qui est un dispositif cofinancé par l'État et la région donc depuis novembre 2019. On a un objectif d'accompagner 500 entreprises vers l'industrie du futur, donc les aider à se transformer, à moderniser leur outil de production au travers d'un, comme son nom l'indique, d'un parcours. Alors, ce parcours, il se décompose en plusieurs étapes qui sont aussi, pour nous, on pense, quelque chose de très important que de faire passer ces entreprises par ces différentes étapes. Et avant de vous expliquer les étapes de ce parcours, je voulais aussi vous préciser que nous travaillons avec un groupement d'opérateurs qui sont extrêmement performants sur ce dispositif, donc Industrie Méditerranée, Thomas ici présent, qui va tout à l'heure nous présenter aussi un témoignage d'entreprise qui bénéficie, qui suit le parcours aujourd'hui. Nous avons parmi nos opérateurs Thibaut-Henri Fabre en tant que coordinateur technique aussi qui travaille d'arrache-pied pour faire avancer les entreprises dans le dispositif. On a la CCI Nice Côte d'Azur, Ludovic, Laetitia qui sont aussi là présents sur le 06. Nous avons le CETIM, nous avons Innovsys, nous avons TVT Innovation, la CCI Marseille-Provence également. J'ai dû en oublier. Non, je ne crois pas en avoir oublié. Captronic aussi. Voilà, donc ce sont les principaux. Pierre-Marie aussi est avec nous pour vous parler d'une actualité intéressante sur Parcoursup Industrie 4.0 au niveau de ce qu'on appelle les offreurs de solutions. Donc, il va vous présenter ça également en dernière partie de ce plateau ce matin. Voilà. Donc, je voulais vous parler des différentes étapes du parcours. Donc, on a un premier volet. On va proposer aux entreprises industrielles. Donc, ce sont les entreprises bénéficiaires sont des TPI, des PMI, des petites ETI de moins de 500 salariés. Et ce qui est important, c'est de passer par une première phase de diagnostic compétitivité, diagnostic industrie du futur, pour réellement bien voir avec ces entreprises quels peuvent être les leviers de l'industrie du futur qui sont utiles pour elles aujourd'hui, pertinentes à mettre en œuvre. C'est la première phase du dispositif. On en sort un plan d'action, une feuille de route. Et ensuite, on peut proposer à l'entreprise un ou deux experts spécialisés sur une thématique de cette industrie du futur, de ce référentiel industrie du futur, pour avancer concrètement sur une action, la concrétiser. Donc, vous avez un dispositif aussi qui est entièrement financé, avec un minimum de 5 jours d'accompagnement possible. C'est un minimum. Voilà. Après, c'est au cas par cas. On est vraiment sur un dispositif qui fonctionne très, très bien. On est aujourd'hui à plus de 250 entreprises, donc sur les 500, qui ont intégré ce dispositif, qui sont accompagnées. On en a quasiment 100 qui ont terminé. On est extrêmement, extrêmement contents.
On a des retours extrêmement positifs. Alors, dans le 06, nous avons presque 50 entreprises aussi qui sont quand même intégrées. Donc, on tenait à le dire. Bon, quelques chiffres, hein, je suis obligée. Quelques chiffres. Voilà, donc ce sont des très bons résultats. Mais voilà, il y a encore de la place pour ces entreprises. Donc, on peut continuer à s'inscrire. Donc, c'est très facile de s'inscrire. Donc, vous avez ici à l'écran le site, notre plateforme Parcoursup Industrie 4.0 pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Je voulais compléter quand même le parcours par un dernier volet qui est aussi un volet très intéressant, qui est le volet possibilité de demander une subvention à la région. Donc, c'est une possibilité, ça reste soumis à vote. Mais on a la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur a aujourd'hui octroyé plus de 4,5 millions d'euros au travers d'aides à 36 entreprises. Voilà, aujourd'hui. Donc, c'est un volet qui est, on le sait, important aussi, très intéressant pour les entreprises. Il est encore possible et c'est vrai que ça finalise ce parcours. On veut donc avoir on a vraiment un parcours sur mesure, j'insiste là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'intervenants dans le dispositif, mais c'est parce qu'on est vraiment, on s'attache vraiment à faire du sur mesure, c'est très important. Et aussi, ce volet 3 est une spécificité de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous n'avez pas retrouvé ce dispositif et ce volet 3 dans toutes les régions. Alors, pourquoi je vous parle de toutes les régions? Parce que initialement, voilà, petit rappel historique, le dispositif a été engagé avant la crise sanitaire dans le cadre d'un plan national qui s'appelle le plan des 10 000 accompagnements des TPE-PME vers l'industrie du futur. Voilà, donc porté par l'Alliance Industrie du Futur aussi. Donc, on était sur un programme national qui s'est décliné en région. Et voilà, on continue donc aujourd'hui à œuvrer auprès des entreprises pour les aider à se moderniser, à trouver les bons outils pour avancer vers l'industrie du futur. Donc, aussi un petit appel ou un petit rappel, l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, c'est pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas que pour les gros, ce n'est pas pour les entreprises les plus importantes. On est vraiment là pour pouvoir vous aider à avancer à votre rythme par rapport à ces outils et à l'intégration des innovations. Je crois que je vais laisser la parole à Thomas et à Amaury. Alors, Amaury est représentant d'une entreprise qui s'appelle Métomoteur Pompe Industrie. Alors, c'est une entreprise du 13 qui se trouve au stand numéro 13 et qui a donc 13 salariés. On ne l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et donc, avec Thomas, vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vivez Parcoursup Industrie 4.0. Et voilà, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Donc effectivement, je pense qu'on a une bonne transition puisqu'on a conclu sur la présentation du Parcoursup d'Industrie 4.0 sur le fait que ça n'est pas l'industrie du futur n'est pas l'exclusivité des grands groupes industriels. Et donc on a aujourd'hui avec nous une entreprise qui va nous apporter son témoignage et donc qui est une PME marseillaise. Donc Monsieur Dastienne, vous êtes vous attaché de direction dans le groupe Métomoteur Pompe Industrie. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre activité? Du coup, alors, pour faire un petit point d'histoire, Métomoteur Pompe Industrie, c'est à la base, c'est une société qui a été créée en 1937 par mon arrière-grand-père, donc je suis la quatrième génération. C'était une start-up avant-gardiste, elle faisait l'assemblage de groupes électrogènes, de motopompes et de machines agricoles. Cette société, au fil du temps, on arrive en 2018, elle a créé 3 filiales. C'est devenu un groupe, donc c'est devenu le groupe Métomoteur Pompe Industrie. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a 3 filiales. Donc, ces 3 filiales, aujourd'hui, il y a la filiale MEPI Services, qui est une société de prestation de services axée sur le domaine du bâtiment. Elle fait exactement la réparation de systèmes de pompage et de son ensemble. Il y a la filiale également aussi MEPI International, qui, elle, est une société de vente à l'export de matériel industriel et de pompes.
À l'heure actuelle, elle gère deux bureaux. Il y a un bureau à Abidjan et un bureau à Kuala Lumpur. Et puis, la société MMPI Process, qui aujourd'hui est sur le salon Industria, qui, elle, est une... Alors, elle a une première partie, c'est une société de vente de matériel industriel et de pompes également. Mais elle a aussi une autre partie, c'est la réparation de pompes, la fabrication de châssis, l'assemblage de skids. Voilà, donc c'est vraiment... Il y a deux domaines d'activité, on va dire, qui sont compétences de cette société. À l'heure actuelle aussi, on amène aussi des conseils techniques pour être vraiment au plus proche de notre client et vraiment leur amener des solutions et pour pouvoir les aider à être plus performants. Très bien. Est-ce que du coup, vous travaillez pour des grands groupes industriels, hein, notamment, parce que vous apportez des services à des sociétés comme ESCO, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, du coup, on a fait des prestations de services. Je vais vous donner quelques noms. Donc, il y a ESCO, il y a Ipsen et puis il y a Axens aussi également. Ouais. Donc, on amène ce service de fabrication et de réparation dans ces entreprises-là. Très bien. Alors, vous faites partie des 250 entreprises qui ont rejoint le parcours. Vous êtes rentré en avril cette année. Hop là. Je vais plutôt utiliser ce micro-là. Donc, je disais que vous faites partie des 250, un peu plus de 250 entreprises qui avaient rejoint le parcours Sud Industrie 4.0. Vous avez, vous, personnellement, rejoint le parcours en avril cette année. Quels étaient alors vos enjeux de compétitivité chez Métaux Moteurs? Du coup, à l'heure actuelle, on essaye vraiment de rester sur le marché et de toujours chercher des niches exploitables pour être plus compétitif auprès de nos clients. Ce qui veut dire qu'on cherche à avoir une certaine réactivité. On va chercher à amener un service un peu plus pointu et un peu plus performant auprès de nos clients pour différencier de nos concurrents et aussi différencier des services des grosses entreprises. Que ça soit un service de qualité et qu'il y ait vraiment jusqu'à vraiment l'accompagnement jusqu'au bout avec notre client. Donc, je crois qu'il y a un enjeu aussi qui tourne en ce moment-là dans votre secteur autour de la transformation numérique et des objets connectés. C'est quelque chose que vous aviez identifié déjà à l'époque, je crois. Oui, vraiment. On sait que l'axe majeur de demain, c'est cette transition numérique. Et le groupe MMPI essaye vraiment de s'imprégner de cette transition et de la maintenance prédictive pour pouvoir vraiment proposer justement ce service vraiment de qualité et très pointu à nos clients. Alors, comme la plupart des entreprises qui rejoignent le parcours Sud Industrie 4.0, votre entreprise a commencé par un diagnostic industrie du futur. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les principaux projets qui en sont sortis de ce diagnostic ? Alors, les principaux projets qui en sont sortis, il y a eu le banc d'essai connecté mobile. C'est un banc d'essai pour de l'hydraulique. Hein. Après, il y a l'étude de flux. En deuxième projet, il y a l'étude de flux de notre atelier, justement, pour avoir l'utilisation et le gain optimal de ce banc d'essai qu'on va mettre en place. Et puis après, le troisième projet, c'est les objets connectés, justement, pour la transition numérique de demain. D'accord, très bien, merci. Donc, effectivement, on peut voir le lien donc, entre votre compétitivité et ces projets-là qui ont été proposés à l'issue du diagnostic. Tous ces projets-là, bien évidemment, sont en cours de mise en œuvre dans votre entreprise, mais ce que vous a apporté le parcours Sud Industrie, c'est justement d'être accompagné au-delà du diagnostic sur un de ces projets-là, du coup. Comment s'est déroulé le parcours jusqu'ici pour vous ? Alors, le parcours, vraiment, s'est très bien déroulé pour l'instant. C'est vrai qu'on a eu un accompagnement et un suivi vraiment de qualité. On ne peut pas dire qu'on n'est pas bien encadré. On est en permanence suivi. Et c'est vrai que ce parcours, PSI 4.0, est vraiment très intéressant pour les petites entreprises comme nous, par exemple, qui, alors, au-delà des aspects financiers, ont peut-être besoin d'aspects aussi techniques qu'on ne puisse pas avoir au sein de l'entreprise. Et on ne sait pas forcément vers qui se tourner aussi également. Donc, PSI 4.0 est très intéressant pour cette aide-là. Vous en êtes où exactement, vous, dans le parcours ? Je crois que vous avez terminé le diagnostic. C'est quoi la suite pour vous ? Alors, du coup, on a terminé la première phase de PSI 4.0. Parmi les projets qui sont sortis, on en a choisi un, donc c'est le banc d'essai. Alors,
tous les projets vont être réalisés, hein, mais celui qui a été choisi vraiment pour être développé avec PSI 4.0, c'est le banc d'essai mobile connecté pour vraiment. On a ce besoin du fait des réparations, du fait d'être présent chez le client, de pouvoir certifier ce qu'on fait, pouvoir amener des énergies check, de pouvoir vraiment, si les clients, on peut pas déplacer le matériel du site, on puisse se déplacer, on peut les aider à augmenter leur performance sur leur parc déjà présent, vraiment, et amener toujours vers cette transition d'objets connectés, quoi. Vraiment, c'est important. Parfait, merci beaucoup. Donc, Métomoteur, Pompe Industrie, un petit groupe familial marseillais, mais résolument tourné vers l'industrie du futur. On vient de parler des objets connectés dont vous allez faire profiter vos clients avec un service avancé, notamment pour apporter davantage de valeur et qualifier les pompes qui auraient été réparées par vous-même et possiblement directement sur le site du client. Je crois que vous avez également d'autres projets, hein, pour 2022. C'est quoi la suite ? Pour 2022, déjà sous la filiale MMPI International, qui gérait déjà deux bureaux, comme je vous avais dit, il y a un bureau qui est à Abidjan. Ce bureau-là va se transformer en filiale pour 2022, donc on va vraiment, vraiment s'implanter en Afrique. On va avoir vraiment des locaux. Avant, c'était juste un bureau, on va avoir des locaux avec un stock vraiment présent, parce qu'il faut savoir que l'Afrique est un continent où une usine peut doubler d'une année à l'autre. Il y a vraiment un gros développement permanent. Donc, ça nous permet aussi de se recentrer aussi sur l'Afrique, car les objets connectés vont être aussi présents. Il y a des responsables techniques qui ont 4 usines dans l'Afrique complète et ne peuvent pas se déplacer forcément en fonction des pannes. Donc, c'est bien d'avoir ces objets connectés pour vraiment optimiser le temps de déplacement et le temps de maintenance. Après aussi, le groupe Métomoteur a investi cette année dans une start-up qui s'appelle Martix, qui va révolutionner le marché de la pièce détachée grâce à des imprimantes 3D. Alors, Martix, c'est une société aixoise qui code des programmes pour sécuriser le transfert de plans pour les pièces détachées. C'est pour déjouer l'obsolescence programmée. Les fournisseurs arrêtent de fabriquer ces pièces-là. Du coup, qu'on puisse les fabriquer à partir d'une imprimante 3D et d'avoir forcément un gain de temps, un gain de livraison et puis de la disponibilité. Après aussi, on a toujours ce projet de bande d'essai. On lance la deuxième phase justement avec Innov6 actuellement. On souhaite vraiment aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment installer ce bande d'essai dès que possible. Parce que, comme je voulais citer, l'étude de flux de notre atelier pour le banc d'essai sera effectuée car la société va déménager. On souhaite vraiment investir aussi dans de l'immobilier et changer de locaux, trouver quelque chose de beaucoup plus adapté et vraiment qui puisse répondre à nos projets d'innovation au sein de ce groupe. Merci beaucoup, Monsieur Destienne. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Marie Gaillot, qui va faire le lien avec une suite potentielle, un outil. Il va vous présenter une plateforme qui va bien s'articuler avec le parcours Sud Industrie 4.0, puisqu'il le présentera mieux que moi, mais il s'agit de mettre en relation les porteurs de projets comme Métomoteur avec des offreurs de solutions de l'industrie du futur. Merci, Thomas. Merci pour votre témoignage. On voit bien qu'au travers de votre témoignage, si je ne prends que l'exemple sur lequel vous allez travailler aujourd'hui, c'est-à-dire le banc d'essai mobile connecté, vous êtes accompagné en ce moment par Parcoursup d'industrie pour affiner le besoin. Ça va déboucher sur un cahier des charges de solutions. Et là, eh bien, pour ne pas être seul, il va falloir que vous soyez en mesure d'identifier des offreurs de solutions capables de répondre à ce cahier des charges. Et l'idée de Boost French Fab, elle est très, très simple. Elle est de faire en sorte que des industriels comme vous, en France, qui ont des projets d'industrialisation et qui cherchent à investir, puissent être de manière privilégiée connectés à des offreurs français de solutions. Et aller trouver proche de chez vous ce que vous ne sauriez peut-être pas les trouver parce que vous ne les connaissez pas. Voilà. Alors, c'est quoi être un offreur français de solutions ? C'est très simple, c'est adhérer à la charte de la French Fab.
Et c'est quoi être français? C'est avoir 50% de sa valeur ajoutée qui est faite sur le territoire France. Voilà. Et donc, l'idée de Boost French Fab, elle est née vraiment d'industriels qui avaient en commun ce souhait de patriotisme économique, on peut le dire de cette manière-là, et puis aussi de répondre à une brique qui n'existait pas dans les dispositifs nationaux ou régionaux, c'est le lien et l'acteur du dernier kilomètre. Parce que ce projet de cahier des charges, ça serait une réussite que s'il est transformant. Transformant du point de vue financier, transformant du point de vue environnemental, transformant du point de vue social, transformant du point de vue business model. C'est là l'enjeu de ce dernier kilomètre qui est de sécuriser ce projet. Donc, Boost French Fab, c'est très, très simple. C'est très, très simple. Vous avez un projet, vous déclarez ce projet en disant c'est quoi mon objectif et, c'est quoi les, et quelles sont les compétences que j'attends. Les offreurs de solutions, plus de 250 qui sont déjà inscrits sur cette plateforme, eh bien, eux, de la même manière, décrivent leur champ de compétences et la plateforme va vous permettre de matcher et de dire il y a un offreur proche de chez vous qui est capable de répondre à votre problématique. Et ensuite, vous avez la main. C'est vous qui décidez si, oui ou non, vous laissez rentrer cet offreur dans votre espace de discussion et ça se fait au travers d'espaces collaboratifs complètement sécurisés. Complètement RGPD, complètement blindé en termes de cybersécurité pour permettre justement d'amorcer les échanges avec ces offreurs de solutions. Et puis, côté offreurs de solutions, peut-être que votre cahier des charges, ça va nécessiter d'avoir plusieurs acteurs qui se mettent ensemble pour répondre à votre besoin. Parce que peut-être qu'un acteur seul n'aura pas toutes les compétences. Et ça, c'est aussi un service qui est proposé par Boost French Fab qui permet à des offreurs de se mettre en consortium pour répondre à votre besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment de faciliter le job. C'est vraiment d'être l'acteur du dernier kilomètre et de vous permettre de trouver proche ce que parfois, vous pourriez aller chercher loin. Voilà. Donc, c'est ça l'idée de cette plateforme. C'est complètement intégré dans la logique de la nouvelle filière industrie du futur. C'est l'outil du dernier kilomètre. Et il y a un service additionnel qui est proposé par le CETIM, qui est de vous aider à sécuriser ce projet industriel. Parce qu'au-delà du cahier des charges de l'élément pompe connectée, il y a tout un environnement qui peut être pris en compte. Et si vous le désirez, eh bien, il y a une première intervention qui vous est gracieusement réalisée chez vous pour compléter des éléments par rapport à votre projet. Le seul enjeu, c'est que vous réussissiez, que ce soit le plus simple possible pour vous, et qu'on favorise l'émergence en termes de réponse d'offreurs français de solutions, parce que nous sommes persuadés qu'une industrie est forte si on a une offre forte. Et des gens comme vous seront d'autant plus forts qu'on aura une industrie forte et des offreurs de solutions forts. Voilà. Donc voilà, c'est, l'idée elle est tout simplement là. Merci Pierre-Marie. Alors, vous retrouverez, je suppose, dans les liens sous la vidéo, le moyen d'accéder, ou même dans les supports, hein, la possibilité d'accéder à cette plateforme. Évidemment qu'elle est destinée à toutes les entreprises qui s'intéressent à l'industrie du futur. A fortiori, toutes les entreprises qui rejoignent le parcours Sud Industrie 4.0 peuvent aller consulter ce catalogue-là. Les offreurs de solutions également peuvent embarquer sur cette plateforme essayer autant que possible d'avoir recours à des offreurs locaux près de chez vous, ceux du dernier kilomètre. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le moment des questions-réponses. S'il y en a, nous, on sera ravis d'y répondre. Dans l'intervalle, le parcours Sud Industrie 4.0, vous pouvez nous rejoindre. 2022, ça continue. Les trois volets. Le volet diagnostic, donc ça, c'est pour les entreprises qui ont envie d'aller vers l'industrie du futur. Et même celles qui se posent juste la question, celles qui en sont au stade de « par où je commence ?» pour aller vers l'industrie du futur, cette fameuse industrie 4.0. Est-ce que je dois aller vers les objets connectés comme métaux-moteurs? Est-ce que je dois m'intéresser également à la fabrication additive, qu'elle soit polymère, qu'elle soit métal? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est par là que je dois commencer? Le parcours Sud Industrie 4.0 est a fortiori la première étape, le diagnostic, vous aide à répondre à ces questions-là. Voilà. Par où je commence?
quels sont les principaux gisements de compétitivité que l'industrie du futur m'aidera à exploiter. Et puis ensuite, on ne s'arrête pas à la feuille de route. On va vous mettre à disposition des experts du thème concerné pour mettre en œuvre tous ces projets, vous mettre le pied à l'étrier et pourquoi pas, en dernière étape, obtenir une aide à l'investissement de la région. Voilà. Juste pour préciser, un grand merci pour votre confiance, Nathalie. On était tout au début dans la conception de ce programme par rapport au retour d'expérience que l'on pouvait avoir et vous l'avez très bien torturé pour l'adapter au contexte local. Donc, bravo pour ça. Vous nous faites confiance pour tendre la main vers les suites et proposer à l'écosystème local des solutions pour ce dernier kilomètre qui s'appliqueront aux entreprises qui ont fait parcours sur industrie, mais d'une manière générale, toutes les entreprises du territoire qui cherchent à investir. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, ce n'est pas réservé qu'à un happy few, bien sûr en privilégié. Et d'ailleurs, c'est tellement privilégié que les liens maintenant sont natifs directement sur les sites et pour dans le parcours utilisateur pour parler un petit peu utilisateur. Si vous avez un compte connecté sur Parcoursud, vos logins, votre mot de passe, vous les oubliez, c'est les mêmes sur Boostrench Lab. Ça se fait tout seul. Vous avez voilà et réciproquement, on a vraiment centré l'usage, en fait, c'est des industriels comme vous qui ont conçu l'outil Boostrench Fab et qui ont dit, on ne veut pas être embêté avec les mots de passe, on veut qu'on s'inscrive de n'importe quel endroit à sa passe, qu'on vienne d'une base ou d'une autre. Voilà. Et c'est bien plus qu'un annuaire d'offreurs, c'est bien plus qu'un annuaire de porteurs de projets, c'est un écosystème de réussite du dernier kilomètre. Merci beaucoup, merci à tous. Je voulais repréciser simplement une petite chose, c'est que la plateforme Boost French Fab est connectée vraiment à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la plateforme Parcoursud Industrie 4.0, où à la fois les entreprises peuvent candidater pour bénéficier du parcours. Et également, là, vous avez à l'écran, alors il y a le petit bouton bleu pour les entreprises qui veulent bénéficier du parcours et le petit bouton gris pour ce qu'on appelle les offreurs de solutions. Et c'est par ce biais-là que, donc, comme le précisait Pierre-Marie, en tant qu'offreur de solutions intégrateur, vous pouvez être intégré et vous référencer sur Boost French Fab. En fait, c'est automatique. Voilà, ça se fait de manière très, très facile. On a voulu simplifier aussi, ce qu'expliquait Pierre-Marie, simplifier cette démarche vis-à-vis des offreurs de solutions pour apporter un maximum de visibilité, de possibilités de correspondance et de relations avec les projets des entreprises qui ont suivi Parcoursud Industrie 4.0 pour la région. Voilà, un petit mot, Pierre-Marie, encore. Voilà. Juste, il y a déjà des projets industriels qui sont disponibles. Donc, offreurs, allez-y, connectez-vous et il y a du business à faire. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Donc, les questions, on en a souvent quand même. Il y en a une qui revient. Dans ce Parcoursud Industrie, c'est une démarche partenariale. Donc, on est, comme l'a dit Pierre-Marie, on est un groupement, on est un consortium, il y a pas mal d'acteurs du territoire. Donc, finalement, on a souvent cette question, c'est qui fait quoi ? Alors, qui fait quoi ? On peut y répondre rapidement. On a Rising Sud, donc, qui mandate le groupement mené par Industrie Méditerranée. Donc, Industrie Méditerranée et ses partenaires vont opérer ce parcours. Donc, ça veut dire que vous vous inscrivez sur la plateforme de la région, parcours-sud-industrie.com. Rising Sud, l'opérateur, va vérifier l'éligibilité de votre entreprise. Donc, les critères d'éligibilité, on peut les rappeler aussi. Il faut être une PME au sens européen du terme. On a cette année une tolérance aussi qui fait qu'on va prendre quelques ETI de moins de 500 salariés. Il faut avoir une activité de fabrication. Il faut avoir un établissement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud. Et voilà, je crois, donc, les critères de la PME au sens européen, toi, tu peux les évoquer. Oui,
Oui, merci. Oui, c'était quelque chose que je voulais rappeler aussi. En effet, les critères d'éligibilité, comme nous avons un petit peu de temps, nous sommes vraiment sur une définition de PME au sens européen et on a élargi, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait au tout départ du dispositif, mais donc c'est une évolution. On a élargi le dispositif aux petites ETI de moins de 500 salariés. Voilà, donc c'est aussi, on en a quelques-unes dans le dispositif, donc c'est intéressant pour elles. Je voulais aussi apporter peut-être un point complémentaire sur les activités et peut-être les motivations ou les objectifs des entreprises, comment le dispositif peut les aider concrètement aujourd'hui. On aide aujourd'hui pas mal d'entreprises qui sont en passage en phase d'industrialisation. Donc ça, c'est une possibilité. Donc c'est vrai que Parcoursup d'Industrie 4.0 existait avant la crise, mais ce dispositif a pris encore peut-être plus de sens aujourd'hui. Donc, on est aussi sur des possibilités d'aider des entreprises qui veulent rapatrier une ligne de production en région sud ou des entreprises qui ont des projets de transformation qui, évidemment, vont intégrer un des six leviers de l'industrie du futur. Ça, on en a déjà parlé. Mais je voulais insister sur le passage en phase d'industrialisation et le rapatriement éventuellement d'une ligne de production en région sud. Donc, ceci sont des orientations aussi qui sont particulièrement aussi importantes et en phase avec la situation de crise que nous connaissons. Donc, je voulais repréciser ça. Et c'est vrai que le partenariat et la collaboration est extrêmement forte dans notre dispositif. On a énormément d'acteurs du territoire qui sont là pour les entreprises du territoire, qui œuvrent ensemble. Donc, on a réellement établi, je pense, une très bonne confiance les uns envers les autres et co-construit ce parcours. Donc, Thomas était en train de nous expliquer qui fait quoi. Donc, moi, on a fait un petit rappel sur les critères d'éligibilité et les activités des entreprises qui étaient éligibles à Parcoursup d'Industrie. Donc, il faut fabriquer aussi. Voilà, il faut avoir une activité de fabrication, ça, c'est essentiel. On ne peut malheureusement pas aider les entreprises prestataires de services. Par contre, une entreprise qui a un atelier de conditionnement, un atelier d'assemblage, un atelier de production, de tout, quelle que soit, je dirais, sa production au sens pur du terme, il n'y a aucun souci, au contraire. Donc, dans le qui fait quoi, tu n'avais peut-être pas terminé. Tu voulais peut-être compléter quelque chose. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de tout ce programme, c'est de vous accompagner aussi loin que possible dans l'industrie du futur. Aller chercher des leviers de compétitivité pour, grâce à ces dernières technologies. Donc, votre inscription se fait sur le site. Rising Sud vérifie que vous êtes bel et bien éligible à ce dispositif et ensuite va confier votre dossier au groupement mené par Industrie Méditerranée. Donc, dans ce groupement, on a une équipe de PMO qui va commencer par organiser le diagnostic. Donc, vous allez être contacté par un des membres de l'équipe. Les PMO, ça peut être quelqu'un de l'UIMM, ça peut être quelqu'un de Team Henri Fabre, ça peut être, si vous êtes localisé ici dans le 06, la CCI Nice Côte d'Azur. Si vous êtes dans le Var, ça peut être TVT Innovation, par exemple. Voilà, donc ça, c'est, vous avez l'équipe qui va coordonner tout le parcours des entreprises et notamment qui va organiser la première étape, le diagnostic. Le diagnostic sera confié à des cabinets experts de l'excellence opérationnelle avant tout. Ils sont ils sont rompus à l'industrie du futur. Ils maîtrisent le référentiel officiel de l'industrie du futur, qui est accessible en ligne, hein, qui est Brick for Future. Et à la fin du diagnostic, vous allez soumettre au groupement des projets à accompagner. Et donc, il y a un comité opérationnel du groupement dans lequel vous allez retrouver tous les acteurs qu'on a montrés sur les planches tout à l'heure, qui vont étudier l'éligibilité du projet cette fois. Et en fonction du projet, on a deux acteurs, notamment, qui sont les coordinateurs techniques du groupement, donc Team Henri Fabre, qui expose aujourd'hui d'ailleurs sur le salon, et on a TVT et System Factory qui vont faire un appairage technique, c'est-à-dire qu'ils vont analyser les données du diagnostic, ils vont prendre connaissance du diagnostic, ils vont également prendre connaissance du contenu du projet à faire accompagner, et donc ils vont aller chercher un expert, soit un expert référencé par notre groupement, soit si on est sur des compétences techniques très très pointues, ils peuvent aller chercher également une expertise externe, et ils vont aller chercher une proposition technique. On est sur du sur mesure.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance quelle est la nature de l'accompagnement technique avant d'avoir fait le diagnostic. Et donc, la proposition technique que nos coordinateurs vont aller chercher va être présentée à l'entreprise. Et si elle en valide le contenu, eh ben, c'est la prestation qui sera financée par le parcours. Ces accompagnements peuvent être un pied à l'étrier pour démarrer le projet. Ça peut être l'étude de faisabilité, une fois qu'on a déterminé que les objets connectés industriels pouvaient enrichir votre offre de service. Il s'agit de dire quel type d'objet connecté, quels sont les offreurs de solutions pertinents dans votre cas particulier, et aller jusqu'à la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel pour vous mettre dans les meilleures conditions pour passer vos consultations sur la plateforme Boost French Fab, par exemple. Et donc, voilà. Après, vous êtes à la fin de cet accompagnement, normalement, dans les meilleures conditions également, s'il y a une partie investissement pour déposer un dossier de demande de subvention à la région. Voilà. Donc, j'ai cité quelques experts qui vous accompagnent en phase 2. On en a un autour de la table. Il y a le CETIM qui va intervenir sur la partie mécanique procédé, hein, voilà, tout ce qui est mécanique, matériaux, procédé. On va avoir également Innovsys dans le groupement, on va avoir Captronic sur les objets connectés et les systèmes embarqués, on a System Factory, et donc voilà, après on peut aller chercher des experts à l'extérieur de notre groupement. Mais voilà comment ça s'organise un petit peu. Vous avez une équipe de PMO, vous avez des coordinateurs techniques et vous avez des experts qui interviennent plutôt en phase 2. Et puis, bah, évidemment, que Rising Sud et la région prennent le relais pour la phase 3 ensuite. Voilà un petit peu le qui fait quoi. Mais évidemment que tout ça est rappelé et expliqué à toutes les entreprises dès qu'elles rejoignent le parcours. Un mot de la fin, peut-être ? Oui, je crois qu'on est au mot de la fin. Alors, je vais peut-être vous rappeler un tout petit peu en mot de la fin ce qu'on appelle les leviers de compétitivité de l'industrie du futur. Donc, on se réfère au référentiel de l'industrie du futur, de l'Alliance Industrie du futur. Donc, vous avez les 6 leviers de base. Et là, on va retrouver plus finement au travers des 6 leviers, objets connectés, technologies de production avancée, usines et lignes îlots collectés, nouvelle organisation de l'homme au travail, nouveau modèle économique, relations clients-fournisseurs, véritablement derrière ça, concrètement ce que ça veut dire, des exemples. On en a vu un au travers de métaux, moteurs, pompes industrie, et on a peut-être d'autres exemples aussi à citer actions d'accompagnement concrètes qu'on peut aider à mettre en œuvre au sein d'une entreprise. On travaille pas mal notamment sur des mises en œuvre de GPAO, GMAO, d'assistance de ce type-là pour aider aussi à améliorer la productivité. Enfin, c'est un mode d'amélioration de la productivité au sein des entreprises. Je voulais simplement vous reciter ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément reprécisé ces leviers de l'industrie du futur. Simplement, voilà, moi je dirais il y a encore possibilité pour beaucoup d'entreprises industrielles de la région de bénéficier de ce dispositif. Rising Sud et toute l'équipe armée derrière est prête pour vous aider à continuer. Merci beaucoup à la CCI06 aussi pour notre possibilité d'intervention ce matin. C'est vraiment un grand plaisir de retrouver aussi toutes les entreprises et les acteurs en vrai, comme on dit. Donc, merci pour cela. Et voilà, très facile de s'inscrire à Parcoursup Industrie 4.0 si on veut bénéficier du parcours. Très facile en tant qu'intégrateur au fort de solutions d'accéder aujourd'hui à Boost French Fab aussi pour apporter un maximum de visibilité entre entreprises, projets d'entreprise, industrie du futur et solutions 4.0. Voilà, merci beaucoup. Pierre-Marie ? Non, Pierre-Marie, non. Amaury ? Voilà, merci à tous et puis bonne continuation sur le salon.